Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live qui vous revient avec des précisions en ce qui concerne l'économie de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore, tel que vous le savez. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà donc pour cette nouvelle édition. Nous parlerons bien sûr de l'économie, précisément du niveau des réserves de change au 3 novembre 2023 pour le compte des chiffres clés. Nous aurons aussi un extrait pour vous choisir en ce qui concerne le discours du chef de l'État apporté au sujet de l'évolution ou l'état actuel de l'économie en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. L'activité économique en République démocratique du Congo s'est accrue de plus de 4,5% au cours de trois dernières années, 2020-2023, soit un niveau nettement supérieur au taux de croissance enregistré en Afrique subsaharienne. Cette amélioration a été rendue possible grâce à un financement de 1,5 milliard de dollars américains du Fonds monétaire international pour la mise en œuvre d'un programme de réforme structurelle du secteur économique de la RDC. Piste au détail sur Zoom Eco Planet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a élaboré et adopté un plan stratégique national d'exploration et des certifications de réserves minérales. Évalué à 60 millions de dollars américains, ce plan stratégique national va permettre à l'État de disposer de données plus ou moins certifiées de réserves minérales du pays. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Les élus de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental ont déclaré recevable le projet de l'édit budgétaire de l'exercice 2024 présenté par le gouverneur de province, Mme Julie Kalenga Kabongo. C'était au cours d'une séance plénière ce lundi 13 novembre 2023. En effet, ces projets de budget est évalué en recettes et en dépenses à plus de 145 millions de dollars américains. Piste au détail sur Zoom Eco Planet. Un effectif de 50 199 étudiants originaires d'Afrique subsaharienne ont suivi une formation dans un établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis pour l'année académique 2022-2023. Selon le rapport Open Door publié le lundi 13 novembre 2023 par l'Institut pour l'éducation internationale et les bureaux des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain. En général, les spécialistes attestent que les États-Unis restent la première destination des étudiants internationaux avec plus d'un million d'étudiants internationaux au cours de l'année universitaire 2022-2023. Liste aux détails sur Zoom Eco Planet. Et voilà donc, c'en est fini pour les nouvelles en bref. On va donc entamer la toute première rubrique, c'est les chiffres clés qui nous est présenté par Judith Unamaka. Et je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous aurons droit à noter des précisions en ce qui concerne les niveaux de réserve de change, précisément au 3 novembre 2023. Ce sera juste après ceci, restez branchés. De retour sur ce plateau et c'est parti pour recevoir Judith Unamaka pour des précisions chiffrées. Judith, bienvenue. Merci Judith. Commençons avec l'actualisation du cours de change en RDC. Voilà, en prenant en compte le barème de bourse en République démocratique du Congo, commençons donc comme à l'accoutumée par dire le taux actuel de la Banque centrale. Il est présentement 1 dollar vaut 2595 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,22 centimes et 1 euro vaut 2774 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous avons ciblé particulièrement Kaouka et dans cet endroit, 1 dollar vaut 2600 francs. Un franc CFA se négocie à 4,33 centimes et 1 euro à 2800 francs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux réserves de change. À combien se sont-elles situées précisément en date du 3 novembre 2023 ? Les réserves de change internationales se sont établies à 4,6 milliards de dollars américains au 3 novembre 2023, soit un niveau correspondant à 2,50 mois d'importation de biens et services sur ressources propres. Et ces indications ont été fournies par la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture publiée le 3 novembre 2023. Alors avant de nous séparer, petit récapitulatif pour le mois de septembre, que dire des réserves de change justement au 22 septembre?
Voilà, les réserves de change de la Banque centrale se sont établies à 5,04 milliards de dollars américains au 22 septembre 2023, selon les indications fournies de la Banque centrale dans sa note de conjoncture économique du 29 septembre 2023. Ce niveau de réserve internationale de change du pays représente une couverture d'importation des biens et services de 2,55 mois. Et notons aussi que les réserves de change sont des moyens de règlement dont disposent les autorités monétaires d'un pays, c'est-à-dire la banque centrale, pour solder les déficits de paiement, de la balance de paiement vers l'étranger. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions apportées. C'était un plaisir. Et à présent, on va prendre un extrait choisi du discours du chef de l'État concernant l'état actuel de l'économie de la République démocratique du Congo. Suivez. Honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, en matière de gouvernance économique, vous conviendrez avec moi qu'autant la politique, l'économie, l'économie joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. D'entrée de jeu, laissez-moi vous rassurer que notre économie en 2023 se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020, surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économique qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2%, chiffre estimé pour cette année, une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire, en particulier le secteur minier, a été le moteur de cette croissance, avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 et une croissance prévue solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture, y compris la foresterie, l'élevage, la chasse et la pêche, a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Ma détermination à matérialiser ma philosophie fondée sur la revanche du sol sur le sous-sol, ne demeurera pas sans effet. L'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, le CCP-PNAA, chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, d'une part, et l'opérationnalisation du Fonds social de la République démocratique du Congo, restructuré, chargé de la coordination de la gestion et de la mise en œuvre du programme de transformation de l'agriculture, d'autre part, permettront de mettre en valeur notre grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. C'est dire que l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale traduite dans le plan national stratégique de développement, le PNSD en sigle. Et voilà, à présent on va un peu souffler avec la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendy qui nous ramène différents marchés retrouvés en République démocratique du Congo ainsi que les prix des produits, biens et services retrouvés à ces endroits. Et aujourd'hui, Naomi Kande s'est intéressée au marché des poissons frais retrouvés dans des supermarchés. Nous aurons des précisions sur les prix dans ce nouveau numéro de Zoom Wendy. Suivez. La RDC regorge une grande diversité de poissons frais qui sont vendus dans différents endroits à Kinshasa.
Ce qui nous pousse dans ce numéro de Zoom Wendy de vous présenter le prix de poissons frais vendus au supermarché de la ville. Sans plus attendre, allons découvrir ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché du jour avec 1 kg de dorade connu sous le nom de Mabundu au prix de 10 750 francs. Un jaune sole entier revient à 13 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un sole un peu plus grand au supermarché de la ville à 55 830 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer le filet de sole, son prix se fixe à 9 000 francs. 13 500 francs et 17 360 francs sont le prix fixé d'un jeune capitaine à Kinshasa. On trouve aussi les filets de capitaine au prix de 10 150 francs. Un jeune perche se vend à 15 000 francs. Zoom Wendy a pensé au consommateur de poissons chinchard, connu sous le nom de Mpiodi en Lingala. Son prix se fixe à 7 950 francs pour une mesure d'un kilo. Un kilo de tilapia se vend à 6 500 francs. 17 850 francs est le prix fixé d'un jeune saumon. Et pour finir, un filet de saumon revient à 9 500 francs et 10 100 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Prenez rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Passons à la prochaine rubrique Agenda, où nous parlons des rendez-vous qui sont liés directement à l'économie de la République démocratique du Congo et qui ont lieu ici même à Dassagrasse. Nous en parlons dans ce nouveau numéro. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Fédération des entreprises du Congo, Okatanga, organise une nouvelle session sur les analyses de difficultés rencontrées, proposition des pistes de solutions, étude des spécificités des CISCOADA liées aux entreprises, qui débutera du 27 novembre jusqu'au 1er décembre 2023 de 9h à 15h au siège provincial de la FEC. À présent, un autre rendez-vous à prendre toujours avec la Fédération des entreprises du Congo, Okatanga, qui tiendra du 28 au 29 novembre prochain une célébration de Journée internationale de l'entrepreneuriat et abordera le thème suivant, l'éducation, l'inclusion, la collaboration entre écosystèmes et la gouvernance, de 9h à 17h à l'INPP Lubumbashi. Et pour finir, signalons également que la FEC Okatanga prépare une nouvelle formation du 6 au 8 décembre prochain axée sur la rupture de contrat de travail, attitude prudentielle à adopter. Le frais des participations est fixé à 350$. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoomeco TV. C'est parti pour le dernier virage. Article 15 qui nous présente la débrouillardise ici à Kinshasa. Suivez. Je suis un peu plus de temps. Je suis allé à la classe de la famille.
discuté dans mon cas, ce qui n'a pas été tant que vous vendez d'abord, moi la police est baillée, baillée, vous bengala battu le canadiloco, tu vas pire, mon go, ce va battre papier, mon barbeau, tu l'auras bien rabattu, batter, barbeau, batter, batter, sur le teka, batter, retourner sa bisou, tu vas maman bana, tu vas passer la police, n'est-ce que bon la banane bisou, n'a ou en zé, bilo repère équitatal, bilo rezard matatal, ok, les locuta. Ma tungulu batye mukeboye na prix mususu farine ezo mataka baki tsape dollar courant pe eza na passe moya bomba biloko ezate biloko eza opola na ndako. Mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya ba polisie batika kotumisa biso po kotumisa maiko en place nyonso okenda transport bakangi nzela. Mais si tu as été là, tu as été là. Tu as été là pour la banane, tu as été là pour la banane. Mais on va voir comment on va faire la banane. Tu as été là pour tout ça. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de toujours nous choisir pour vous informer. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous partager l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.